Oui, il faut prôner une convergence mondiale en matière d'intelligence artificielle générative et je me félicite que l'Union européenne soit à la manœuvre. L'acte pour l'IA que nous avons initié il y a quelques semaines sera sans aucun doute une base pour un standard mondial. Néanmoins, les IA génératives posent des défis sectoriels comme dans le monde de la culture et de la création. Comment distinguer une œuvre produite par l'intelligence artificielle d'une véritable œuvre créée par un artiste avec l'aide de l'IA? Quel statut juridique donner à ces œuvres? Comment s'assurer que nos créateurs européens soient justement compensés pour les œuvres qui sont aspirées dans les bases d'entraînement de ces modèles? À nous, Européens, de peser dans le débat mondial pour concilier propriété intellectuelle, innovation et démocratisation. À nous, Européens, de faire de la culture un secteur de premier plan dans la régulation mondiale de l'IA. Merci.